Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Nous votons pour ça qui a passé sous frontière et entre Haïti et République Dominicaine. D'après le journal Effet, l'armée de la République Dominicaine a déployé près de 7200 troupes sous frontière. Là, généralement, les bagages ça fait en pile. Mon sur YouTube ou bien d'autres journaux, vous voyez monter, fait comprendre que c'est le même pour l'envahir. Ce n'est pas ça lié. So, c'est le bien comprendre, je ne veux dire, que nous représentons un danger pour lui, nous avons une instabilité, et qu'un bon monde a choisi de traverser, de faire des ordres dans le pays. Donc, la mettre sécurité pour ne pas rentrer. Donc, la PC prend distance, il sentit nécessité justement pour lui protéger les frontières. Il y a une urgence puisque un pays tête en bas, un pays pas dirigé. Donc, et gagner 7200 troupes qu'elle déployait sous frontière là. Et maintenant, faut dire tout dans cadre et effort ça. Yo gagne intercepté seulement pour l'année 2020 38000 haïtiens qui t'a traversé frontière de manière illégale sous territoire d'après une source militaire qui sorti jeudi vendredi. Et général a dit c'est pour ça si nécessité à en fait d'après analyse par yo si effectivement yo ouais que yo besoin plus soldats y a déployé. C'est comme quoi yo dit pas gagne rien qui trop juste pour capable protéger au contraire ici bien entendu ou bien dit si ça nécessaire yo prêt pour mettre plus soldats yo dit bien n'a utilisé tout ça que nous gagne toute possibilité nous pour que nous capable safe surtout dans partie territoire ça commandant général l'armée dominicaine là nous voulait parler de Julio Ernesto Florian Perez c'est ça le déclaré par journaliste dans un point de presse que t'a fait sur frontière là. Et général major Florian notait que militaire en République dominicaine récemment j'en connais là yo attrapé et des séries de monde tout que la justice en Haïti t'a cherché des fois yo prend des criminels et autres et bien yo en fait yo parlait de dossier yo chevri en fait nous t'avlé d'après ça yo dit dans en pile parole qu'a parlé yo fait comprendre que yo pas même c'est important hein, pour moun comprendre. Yo fait comprendre que yo pas gagné yon demande même d'extradition de yon chevri. En fait, moi très étonné pour n'apprendre nouvelle ça. N'a répété pour. Yo dit que yo pas gagné aucune demande de la part du gouvernement haïtien pour ta faire yon extradition de la part de yon chevri. En fait, il est vrai que yo dit et yon chevri gouvernement gagne yon arrest warrant mais yon dit yon en fait de l'autre part on dit que yon chevri poko mais nous pas quand il a fait li poko mandé asile en République Dominicaine c'est ça et ministre de l'affaires étrangères Roberto Alvarez qui a affirmé Haïti pas mandé non plus pour extradition yon chevri donc Florian assure nous que, parlant de général la cap parler, il assure tout citoyen dans le pays, parce que vous même eu l'ordre de la caillou, que y a psivé en haut, coup en bas, dans l'air, avait dit dans l'espace, jusqu'à tête, et y a maintenu justement pour gagner sécurité sous frontière, surtout à propos de situation socio-politique aiguë que Haïti a traversé, donc vous même y a mobilisé. Pour gagner plus contrôle. Et maintenant, les voies avertissement justement contre persécution monde qui pas gagne papier et qui t'a fait de série de travail agricole, travail de construction et il dit que il va derrière régulariser quelques monde et en pile monde nous connaît qui t'a aidé pendant coronavirus là, t'a semblé que il va le bailler aide parce qu'on bon haïtien les bas la terre pour yo. Qui a travaillé, donc il dit que quelqu'un haïtien va recommencer. Dans ce sens, il mettait en phase que Forces armées a bail collaboration nécessaire pour que directeur général de migration pour l'aider au dans ce sens. Et ministre de la Défense a informé que il dit que il renforcé surveillance sous frontière et il gagné plusieurs avions que il mettait par an. Troupes armées, en pile chars blindés, véhicules personnels, donc ils ont vraiment renforcé. Et en fait, nous connaissons, et depuis semaine, en fait, toujours gagné mouvement en Haïti, côté que gagné
des mouvements de demi-campé est assemblé que pour week-end ça. Mais il a fait des calendriers justement pour lever campé contre Jovenel Moïse que l'opposition accusé qui voulait instaurer une dictature et dans le pays d'Haïti. C'est une situation qui est complexe. Et d'ailleurs, Fondou, il y a une instance qui a fait et au niveau de la justice, il y a justement un mouvement de grève, surtout par rapport avec cette histoire de trois juges au niveau de la Cour de cassation que Jovenel Moïse lui-même révoqué et remplacé immédiatement. Mais nous voulons dire que causé ça a fait justement en pile instance internationale digon mauvais sens où c'est là les États-Unis et réaffirmer soutien li à pouvoir judiciaire là et département d'État tout et justement et dit li consterné li alarmé et par rapport avec et ça considéré comme ingérence de la part de l'exécutif au niveau du pouvoir judiciaire. Une action justement qui est bien montré divorce clé de international là par rapport avec le gouvernement Jovenel Moïse là. Mais nous connaissons que les États-Unis font une clé et backup élection. De toutes les façons, les États-Unis ont toujours backup élection. Mais il va falloir justement qu'il y ait des conditions réunies et pour que élection est faite dans le calme et dans confiance pour que chaque monde et tout acteur yo justement prend gain confiance dans conseil électoral là mais tout gain confiance dans système de sécurité dans pays a donc pour capable gain une élection qui pour faite et dans la paix puisque journée jodi à part le fait que et l'État est justement on dit presque perdu contrôle plusieurs zones côté que ces bandits qui a fait et des faits et mais tout des secteurs de la vie nationale un peu partout à lever campé que ce soit pour président Jovenel mais que ce soit tout pour sécurité dans le pays hein. Par exemple jeudi à gain étudiant à l'université de Port-au-Prince qui ont prendre la rive justement pour eux-mêmes yo t'a réclamé libération et du mais qui sont étudiants donc là c'est pas étudiant c'est docteur un peu partout. Donc, moun yo kap mande l'État pour prendre responsabilité li. Bon, l'État qui a annoncé que finalement yo pral prendre contrôle commissariat et Grand Ravine. Donc, en pile moun attend que l'État ça qui j'en constater la moindre prise paraît yon l'État fort, mais yo ta rien ouais, yon l'État fort tout avec le banditisme généralisé côté que gen des zones justement et c'est bandio qui fait la loi et c'est comme d'a dit ça c'est à valio si vous voulez faire un bagage. Il y a un pilateur international qui commence à parler dans dossier pays d'Haïti a ou gagné les députés démocrates nous connaissons ça surtout ou gagné et député Maxime Waters qui déclarait que Jovenel Moïse son honte pour attaque la fait et contre la démocratie. Donc très certainement il va falloir que stratège au niveau de PHTK repenser, on bien dit repenser bataille puisque gagnent yon l'autre monde dans barque là et qu'effectivement si yon continue à faire y a constaté rapide et ti crasse appui que te gagne au niveau de l'international là y a perdu d'un coup. Donc voilà guys, nous devons te update ça pour situation générale pays d'Haïti. Pas oublier jeune toujours dit ou et toujours été connecté avec nous. Les dernières informations, nous toujours partager au bon site là. Bye bye tout le monde.